Je suis épouse et mère de deux adorables enfants. Je veux dire que le cadre familial, la cellule familiale, c'est là qu'on sème une graine en fait. Et c'est cette graine qui va plus tard aller impacter. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Peut-être que j'en aurai plus, je ne sais pas. Mais déjà, ma mission à moi en tant que parent, c'est de leur inculquer ce que le Seigneur m'a enseigné. Je pense que ici, chez moi, par exemple, on a une cellule de prière, en fait, tous les matins, tous les lundis matins. On prend un temps, toute la famille, visiteurs étrangers, tant que vous êtes dans cette maison, tous les lundis matins, on se réunit tous ensemble, on médite, on prie. Les lundis matins, parce que c'est le début de la semaine active et il y a beaucoup de choses qu'on peut proclamer, qu'on peut balayer du devant de nous. Et puis les lundis matins, parce que les enfants, ils apprennent ça très tôt et ils se disent, je peux rien commencer sans le Seigneur. En fait, c'est le début de la semaine, c'est le début d'une nouvelle journée. Après, chacun a le temps de méditer. On a des temps de jeûne, des temps quand on a des temps au niveau de l'église ou même au niveau de la maison, on décrète un temps et on jeûne ensemble. Ça peut être Monsieur Nguetta et moi, ça peut être toute la maison impliquée, mais c'est véritablement important parce que à côté de nous, on a un voisin, à côté de nous, on a quelqu'un qu'on croise, on a un visiteur qui vient. Après, il y a le message qu'on lui laisse. Voilà. Je pense que la cellule familiale est le lieu où véritablement Christ aussi se manifeste pleinement. Donc, à chaque parent, l'appel est lancé de pouvoir encadrer. C'est une mission, c'est un appel. Quand on décide d'être une épouse, c'est un appel. Quand on décide d'être une mère, c'est un appel. Et moi, je ne veux pas dissocier ma vie de cadre de banque, de mère et puis de servante à l'église. Tout va ensemble. Il faut qu'à un moment donné, je trouve cet équilibre pour pouvoir être la personne idéale que Dieu veut que je sois. Que Dieu vous bénisse.